Avec nous pour évoquer le professeur Didier Raoult, tiens, qui se prononce en faveur de la vaccination des soignants. Le scientifique était pourtant le héros de ceux qu'on appelle en ligne les anti-vax. Oui, à la question, Bruce, c'est est-ce vraiment une surprise ou a-t-on encore tendance à exagérer en ligne les propos de Didier Raoult? Jamais contre une petite polémique, lui non plus, hein, avouons-le. Mais là, vraiment, cas intéressant. Donc nous sommes, vous le voyez, hier, un dîner. Oh, on est à Paris, hein, au Chinese Business Club, qui est un club d'investisseurs franco-chinois, petit Raoult donc, où le professeur marseillais est invité à faire un discours. Et bien sûr, la question du moment tombe. Êtes-vous pour la vaccination des soignants? Tendez l'oreille. Je ne voudrais pas que la population soit entièrement sceptique et désabusée. Je pense que l'indication vaccinale qui ne me paraît pas contestable, c'est quand vous avez un risque. C'est le bénéfice individuel. Le personnel de soins qui est exposé doit réfléchir sérieusement à la vaccination. Je pense que c'est raisonnable. J'ai l'exemple de ce qui s'est passé dans les années avant, et donc j'ai plutôt tendance à faire, écoutez, si ce truc marche en général, on a intérêt à faire comme ce truc qui marche. Les sujets âgés, les sujets qui ont des pathologies, les gens qui ont des obésités maladives, je pense qu'il est raisonnable de se vacciner. Je pense ça. Voilà. Je n'ai jamais dit autre chose, d'ailleurs.